Avoue que ce n'est pas normal qu'à 20h30 passé, tu ne saches pas où se trouve ta fille unique de 15 ans, dont tu as la responsabilité. Et si on t'écoutait, on reviendrait à la bonne vieille époque où les filles restaient cloîtrées et ne pouvaient pas sortir sans chaperon collé à leur basque. La femme serait, selon eux, aussi intelligente que l'homme. Elle ne se mord pas les lèvres. Elle ne se met pas les doigts dans les oreilles. Ni dans la bouche. Ni dans quelque autre partie du visage. Les yeux baissés, les genoux serrés, faites de la dentaire. C'est un string à moi, ça. Je ne trouvais plus, tu m'étonnes. Ah bon? Tu fais dans le hot maintenant. Tu m'as pas habitué à ça, hein? J'ai réussi à me connecter sur son compte Facebook. Tu m'étonnes qu'elle ait des problèmes d'orthographe, tiens. Laisse-moi faire. C'est ma première surprise partie. Les jeunes sont les jeunes. Immatures et inconscients. De l'herbe. De la drogue? Ben oui, pas de l'herbe à chat. Rien, ce drogue. J'en ai marre de ma mère. Heureusement, je dormais chez papa ce soir-là et lui, il a été d'accord. Il peut être cool quand il veut, mon père. Ne tout pas, ça va rien. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Et pourquoi on me dit jamais rien? À vous quand même, quelle belle fille, c'est pas évident, hein.